Avec combattants. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, à vrai dire, il est 21h, on est en live sur Twitch. On va faire une bataille avec les combattants. Un siège Napoléon Total War, ça fait des années que je n'ai pas fait un siège sur jeu. Je me suis dit, suite à la dernière bataille qui visiblement vous a bien plu sur Twitch, vous a bien plu sur YouTube, c'était une bataille où on a joué 3 joueurs contre 4 joueurs en face. J'étais dans l'équipe de 3 joueurs, la bataille était absolument dingue. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous tente. Mais ici, suite à cette vidéo qui s'est super bien passée et dans laquelle j'ai kiffé jouer avec les combattants, je me suis dit tiens, on va refaire ça un soir qui arrive prochainement et lors d'un live, je dirai aux gens bon bah on se fait un siège, on y va. Et là donc, on est parti pour faire un petit siège bien sympathique. Les règles sont, chaque joueur n'a le droit qu'à un seul obusier, pas d'autres limitations, à part que les défenseurs doivent avoir 2000 d'argent de trésorerie qu'il leur reste. Parce qu'il y a 4 joueurs contre 4, il faut donner un désavantage aux joueurs qui sont en défense. Excusez-moi. Les joueurs en défense ont donc 2000 de trésorerie en moins. Vous avez vu les étoiles de chaque joueur. Dans l'idée, normalement, il y a 3 joueurs qui ont une expertise dans le jeu en multijoueur, contre moi qui a la même expertise qu'eux en face, et 2 joueurs qui ont un petit niveau, et un qui est à mi-chemin de mon côté. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça ne sera pas représentatif de ce que la game va donner. Mais en tout cas, voici la forteresse qu'il va falloir défendre. La forteresse est très grande. Ça va nous laisser l'espace de nous exprimer, je pense. Et ça risque de faire une bataille bien épique. Ah, je n'avais pas notifié aux joueurs qu'il serait intéressant d'avoir un bon PC pour rejoindre la game. Parce que visiblement, il y en a qui mettent un peu de temps à charger. J'espère qu'on ne va pas avoir de problème technique. En tout cas, de mon côté, je me suis basé sur une armée. J'ai tenté d'avoir un peu d'élite malgré le fait qu'on ait des soucis économiques. Voilà, on a un peu moins, on est limité en budget. Donc, je suis parti sur une armée où j'ai pris pas mal de milices pour défendre les murs. La milice est utile dans ce contexte, je pense, pour prendre possession des canons. Vous voyez, pour tirer avec les canons qu'il y a sur la forteresse, suffit de placer une troupe sur le mur, et ensuite, eh bien, les troupes se placeront d'elles-mêmes sur le mur pour tirer avec les canons. Sauf que les canons vont bien sûr être la cible première des... Hop là. J'essaie d'afficher les interfaces. Oui. Ok, nickel. Ça va être la cible première pour afficher... Pour déglinguer nos défenses, quoi. Mais du coup, si je perds des troupes de milices sur ces moves-là, c'est pas si dérangeant que ça. Moi, je propose que chaque joueur défende un front et mette des unités de réserve. Alors, attendez, non, mais vous... si vous m'entendez, soyez avec moi, là. Chacun défend un front. Hop. J'espère qu'ils l'ont compris. Aïe. Est-ce qu'il y a moyen de bien étaler ma ligne pour pouvoir faire en sorte que tous mes troupes prennent les canons comme il faut? Ça, j'avoue, je ne suis pas trop au courant là-dessus. Hop là, moi je prends le côté ouest. Mettrez votre armée en bas du mur que vous défendez si vous m'entendez, ceux qui sont avec moi. Oh là là, il y a un petit délai là. Ça va. Il y a un délai, mais c'est gérable. Dès qu'on a des gens avec une connexion moins bonne ou PC moins bon, malheureusement, ça crée ce genre de soucis sur les vieux Total War. Ça va le faire quand même. Putain, ils ont commencé la game direct, les salauds. J'ai même pas tilté. Alors là, hop. Normalement, si je fais ça, ils prennent le contrôle de canon, les mecs, non? Visiblement, non. Oh, ça lagouille un peu. Hein. Oh non, chiant. Bon, tant pis. Ça va le faire, quand même.
Ça ne nous empêchera pas de passer une bonne bataille. Ok, c'est bon, j'ai réussi à prendre les canons. Parce que là, ils ont pas tous pris les canons. Oh, c'est d'un complexe pour utiliser les canons. Non, là, juste les troupes à côté. Je les ai juste à côté et en feu à volonté, et à un moment, elles se mettront dessus. Je suis pas sûr. Hein. C'est vrai que j'ai rien fait de ma cave, là. Alors, il a plutôt fallu les laisser dans la forêt, les gars, je pense. Bon, bah, on va soutenir les potes, hein. J'ai pas la portée pour tirer, hein. L'ennemi est trop loin. Si je fais ça, là. Les mecs se placent comme il faut. Ah là, la game est niquée, là. Ah, y'a un mec qui a fait un tour Windows, c'est sûr. C'est sûr, y'a un mec qui a fait un tour Windows. Faut pas faire de retour Windows, pour ceux qui m'entendent. Ok, pas mal, pas mal. Les tirs de canon partent, c'est bon. C'est super parce que je dis je défends le côté d'ouest et au final je me retrouve face à personne. Ah oui, après le jeu et les murs, c'est pas ça. Avec les lags, encore moins. Tout à fait. C'était un peu le défaut des Empires Total War et Napoléon Total War, c'est que le jeu était pas mal buggé sur les troupes qui essaient de monter sur les murs, ce genre de choses. Alors, faut arrêter de faire des retours Windows, les gars. Connais, là. Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe, non. Please, let me play, merci Pouf Pouf. Pouf Pouf, pardon, pour le Prime. Yo, bienvenue sur le stream. Peut-être plutôt défendre de ce côté-là. Hein. Les Prussiens joignent leurs armées. Allez, on sort la cavalerie de la forteresse. Et on pourrait tout à fait sortir un petit peu. Hein. On pourrait tout à fait être sympa. Pas de possibilité de tirer pour le moment. L'ennemi semble trop loin. Je vais aller mettre mon officier au milieu là. La milice attend les ordres, monsieur. J'ai une unité de milice qui pourrait encore prendre des canons. Ouais, toute cette partie de la forteresse, c'est les canons sont utilisés, hein, donc. Ah, peut-être que là, par-dessus les épaules de Méga, par-dessus le mur, là, il y aurait moyen de tirer, genre, bam bam, comme ça. Je sais pas, en tout cas, cette formation, on va la placer. Là, ça sert à rien de rester ici. Où est-ce que je peux aller me placer? Wouah, mais ça, c'est ultra risqué, ça. Bon, on va aller se placer par là. Ok. Ça
se passe, les boulets font leur vie. Pas d'où est-ce que ça part, mais ça part d'ici. Ces deux canons là. Ils sont en train de tirer sur quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les grenadiers, ils peuvent se planquer où ils veulent? Je n'ai jamais su ça de ma vie. Plutôt les placer un peu plus de ce côté-là, les obusiers. Les obusiers, non? Bon, les canons des murs là. Pas très efficace pour l'instant. Ils arrivent à tirer ou pas? Allez les gars. Je sais que vous pouvez le faire. C'est non? C'est non visiblement. De ce côté là, comment ça se passe? Évidemment, en sortant de la forteresse là. Ça fait bobo. Oh, oh là là, il s'est fait déglinguer toute sa cave. Aïe 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 aïe. Complexe, complexe. Faut jouer le temps les gars, on a 40 minutes à défendre la forteresse. On a moins de troupes qu'eux, c'est pas en passant à l'attaque qu'on va faire quelque chose. Faut utiliser la forteresse quoi. Et c'est ainsi que le boulet peut s'arrêter en plein air. Le boulet en métal a des propriétés spéciales. Milice prête à se battre, monsieur. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi les canons ne tirent pas ici. On va essayer de replacer les Gugus. Eux, ils sont planqués ou pas? Pas tous. Pas tous, il semblerait que certaines troupes peuvent se planquer, mais... Qu'est-ce qui fait que les troupes peuvent se planquer ou non dans la forêt, là? Je ne sais pas. Ah, cette partie du mur va tomber. Oh non, vite! Vite, va-t'en! Fais replier les troupes, le mur va tomber, non! Non! Tous les grenadiers morts! Oh, c'est terrible! Oh là, les deux formations sont décédées. Absolument terrible. Absolument tragique. La milice attend les ordres, monsieur. Ouvrez le feu! Alors par contre là, il n'y a qu'un seul canon qui est utilisé, Gars, il faudrait que tu bouges ta formation, je crois. Le fait qu'on soit deux dessus, ça marche pas. Si tu m'entends. Retirez-vous ! Milice ! Milice prête à se battre. Attends, mais j'avais pas des mecs qui étaient là, moi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, mais qu'est-ce qui se passe, putain de bordel de merde ? Ah, il y a le mur qui va péter là. Ok, d'accord. Ça, j'avais pas dit le dé. Bon, bah là, ils ont des chasseurs, moi j'ai de l'infanterie de ligne, donc j'ai moins de portée qu'eux. Très clairement. Mauvais délire de rester ici. Très mauvais délire. On se barre. Putain, le Pathfinding, il est atroce. Atroce!
Il aurait fallu que je place mes canons depuis longtemps, moi. Oh, depuis si longtemps. Je me tirais sur quoi, là? Ce qui est le plus entassé, genre ça. Allez, hop, hop, hop. Faites-moi un beau feu, là. Ils vont me dire qu'ils ont pas l'angle ? Si, ils ont l'angle. Oh, j'ai oublié ma cave. Je fais un mouvement de cave, je l'oublie. Allez, on se replie à l'intérieur. Milice prête à se battre. Pas mal les kills. Pas mal, ça explose au milieu de la formation. Est-ce qu'on voudrait pas essayer de détruire leur obusier ? Obusier de cette livre qui vient faire chier là. Ça pourrait être pas mal de les calmer à ce niveau-là. Peut-être me mettre là plutôt au niveau de la caméra, ça sera mieux. Oui, monsieur. Oh non. Il y a un autre bout qui va tomber là. Mga, il faut que tu replies. Non, pourquoi il sort les canons? Faut pas sortir les canons. Faut pas sortir les canons. Oh, défendre les brèches avec, putain. Oh, oh! Je l'ai pas eu. Ça se met en pause toutes les deux minutes, là. Non, les gars, si vous avez un PC pas ouf, évitez, les gars. Oh, j'ai même perdu le son, là. Mieux. Oh. Voilà, on a beaucoup trop de troupes sur ce mur. Ça y est, la première brèche, elle est là. Allez, retraite à l'intérieur avec tout ce que j'ai. Terminé. Allez, en place. On va défendre l'endroit. Est-ce que tout le monde a pu recharger? J'attends que mes mecs rechargent. Et après je pense replacer mes canons. Oh ça y est, ils attaquent sur les murs. Est-ce qu'on veut, on veut pas envoyer des renforts là-bas? Je sais pas si j'envoie des renforts, mais en tout cas je vais essayer de me placer ici pour tirer dans le tas. Oui, toute mon infanterie de base là. On va la replacer. Sur ce flanc, ça attaque là. Bah, évidemment que tout le monde ça se fait déglinguer. Aïe aïe aïe, c'est terrible, c'est terrible. Pav, on a tenu.
23 minutes. Encore 27. Lancez des ordres. Et la victoire sera à nous. Je remballe les canons. Et je vais les déployer pour tirer dans la brèche si c'est possible. Y'a pas moyen, y'a pas moyen. Mettre des troupes sur ce mur. Ah, il va aller carrément défendre là-bas. Après moi c'est de la milice que j'ai, donc aller au corps à corps avec de la milice c'est un peu nimp. Je vais envoyer une ligne d'infanterie pour aider. La milice attend les ordres, monsieur. Ça serait pas mal. Ok, sur ce flanc ça va, ici on est plutôt lent. Ouais, je mets mes canons face à la brèche. Pouah. Ouais, il faut que je écarte mes troupes parce que là, si je prends des tirs de busier là-dedans, on va prendre cher, très très cher. Ouais, là, vous avez l'angle de tir, là. Me dites pas que c'est pas possible. Hein. Je n'y croirais pas. Oh, qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font? Ah, c'est la cervelle nettoyée. Ah, c'est sa cervelle, nettoyez-moi ça! Oui, d'accord. Je connais chaque réplique par cœur. Eh bah, écoute, c'est la même ici, hein. C'est la même. Bon, on est en recroquevillé comme ça, est-ce qu'on va vraiment réussir à... Oh là là, le canon qui tire dans le tas. Pas mal du tout, ça. Alors, faut pas mettre des fusils juste derrière mes canons, sinon ça va les tuer. À la baïonnette! À la baïonnette! Ça, c'est des troupes d'élite, ça, en plus. C'est de la garde à pied, là. Je vais me mettre en place. Dès maintenant, je me mets en place, mais je tire pas. Si ils se stackent un peu trop au bord, là, je me prépare à leur tirer dans la gueule. Ok, pas mal. Pourquoi ils sont pas passés dans le bon côté? Pourquoi ils sont pas retournés là? Oui, monsieur. Mais non, quoi. Bon, là je vais redescendre parce que là il prend la position et je peux pas tirer. Ça sert à rien de rester là, je pense. Autant envoyer des renforts de ce côté-là. Là, il y a un angle de tir, là. Feu volonté ! Non ? Personne ? Si, ça y est. L'ennemi approche, monsieur!
Je tire la mitraille dans le trou et puis voilà. Allez, allez, battez-vous! Défendez le mur! Défendez le mur! Hop, on donne du moral, on donne du moral! Tenez ferme! Oh putain! Ma cavalerie. Taillot! Taillot! Non? Oh là, il va y avoir un TK. Monsieur! L'ennemi approche, monsieur! Enlevez-vous, enlevez-vous, enlevez-vous de grâce. Non! À tout! Oh putain, la catastrophe! Oh la catastrophe! Et bah, ça le vert. C'était de la milice. C'était des déserteurs. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Oh, j'espère que ma cavalerie va pas être toute buggée. Qu'elle va arriver à sortir comme il faut pour attaquer là. Parce que là du coup il a une notification comme quoi il se fait attaquer. Oh oui. Oh c'est le général qui est mort direct. Mais non. Ou c'est un autre. C'est un autre général. Où ça? Est-ce que c'est le général prussien? Général ennemi tué. Où ça? Oui c'était là. Oh la chatte. Il est mort dans les premiers que je pouvais tuer. Et là je fais re-rentrer mes troupes. L'unité tout entière a péri, monsieur. Ça marche pas si mal là de tirer sur le flanc, hein, j'ai l'impression. L'unité tout entière a péri, monsieur. Oui, c'est noté. Ça marchait la mitraille un peu dans le trou là, ça a l'air de marcher à peu près. Ça a l'air d'à peu près marcher. Je vais envoyer plus de troupes de ce côté-là. Et on va envoyer de l'infanterie en plus en défense ici. Hop. Hop. Est-ce qu'ils essayent de descendre là? Je ne sais pas. Ça, mon régiment de cavalerie est revenu victorieux, c'est parfait. Faut les poser les canons là, les obusiers. Ils sont en train de créer une autre brèche. Là, il faut vite monter là-haut pour être capable de les empêcher de tirer depuis le haut là. En nous tirant dessus depuis la hauteur là, ça va être problématique ça. Oh, attention là, mais tu me tires dessus mon gars, je crois, avec tes skirmishers sur mes canons. Faut pas tuer mes canons. Oh, il y a le général en face hein. Ça passe dans le trou. Attendez, halte au feu, halte au feu, halte au feu. On laisse les potes passer. On y va. Bon là, la garde impériale a plus de la moitié de ses munitions qui sont parties. Un peu chiant. Mais en même temps, utile. Est-ce que je peux avoir le nombre de kills qu'ils ont fait? Non. Ok, ok, ça se passe. On a quand même pas mal de troupes en défense. On aurait peut-être dû plus réduire le nombre de soldats qu'on avait. Je sais pas. Ah là, ils sont beaucoup à venir de ce côté-là. Oh les bâtards! À la bataille! La milice attend les ordres, monsieur.
Feu à volonté. Oh, ça va tirer dans le dos de mes potes là, non? Je pense. Je leur dis de tirer là. Ouais, un peu dur. Un peu dur. Mais là, je crois qu'il faut, que j'aille, il faille au corps à corps. Hein. Ah, bien, bien, là. Il y a les deux lignes qui tirent. Dans le tas, dans le tas. Voilà, eux, ils vont se faire déglinguer. Et après, je passe à la charge. En vrai... Oh, là, il fallait que j'utilise les grenadiers. Est-ce que ça passe? Oh, mon rêve. Mon rêve. I have a dream. I have a dream. That one day, I will throw my grenades on the enemy. Oh putain, la garde, faut qu'elle replie. Si, ils vont riposter. But still, I have a dream. Please send the grenades. Oh putain, ils veulent pas send the grenades. Please do it. Do it now or never. Allez. Allez, faites-le les grenadiers. Je crois en vous. Oh, je suis sûr que je suis en train de faire un milliard de TK. C'est obligé, c'est obligé. Oh là, ils ont attaqué là. Oh putain. Retraite, retraite. Battez en retraite. Ok, ça c'est bon ça. On y va, on monte l'escalier. On récupère le mur. Bon alors là, me dites pas que vous pouvez pas lancer là. Je crois que je me suis cassé la gueule tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé en termes de lancer de grenade. Mais en tout cas, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Visiblement, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas compris. Genre vraiment, elles ont rebondi contre la façade ou un truc comme ça? Ça marche la mitraille là? Je me dis on va tirer. On va tirer pour de vrai. Oh putain. Oh putain. Évidemment, 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 évidemment. Mais j'ai que de la milice. Oh, ça va pas du tout. Oh, la garde que j'ai oubliée. Les grenadiers. Oh là, la mitraille qui marche. La mitraille qui en veut. Bon, il y a que deux tirs qui sont partis là. L'ennemi approche, monsieur. Infanterie d'élite. L'ennemi approche, monsieur. Infanterie. Allez, la milice, vous pouvez les tenir. Je sais que c'est de la garde. Je sais que c'est de la troupe d'élite, mais bon. On fait comme on peut. Bon là faut y aller là. À la baïonnette. Attention, 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 le TK. Un éventuel TK qu'on ne veut pas voir. Putain, on l'a vu. On l'a vu, on l'a bien vu. Oh. Oh merde. L'unité tout entière a péri, monsieur. Contre de cavalerie. Balancez les grenades. Oui. Après là, ça va TK, c'est sûr.
Attention, charge dans le dos de mes troupes. Oh là 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 là, ça me flanque. On recule, on recule, on recule. Allez hop, on tire au canon dedans. Hop là, ça c'est pas mal ça. Le dernier. Ok, j'en ai plus que 3 qui sont bons là-dessus. Oh, mes grenadiers, vite, reculez. Vous pouvez le faire. Oh, j'ai un déjà-vu là. J'ai un déjà-vu. J'ai l'impression d'avoir déjà été dans ces situations exactes. Je reculais de la cavalerie pour tirer là. Oh, c'est terrible, le déjà-vu. Oh là là, attendez, attendez, la garde impériale, là, deux secondes. Vous me permettez. On va retirer au canon dans le tas, là. Nos hommes battent en retraite. Attends, c'est quoi ça? Non! Non, la vieille garde! Non, non, non! Non, mais j'ai des canons qui tirent dans le tas! Dans Skybox! Ah oui, attends, tu vas monter tout le monde sur le mur, je crois. Ok. Halte au feu! Non! Oh, ils ont failli tirer dans le tas! Ils ont failli tirer dans le tas! Tout va bien. Bon, des autres côtés, ça se passe ou... Ah ouais, non. Ah ouais, non, c'est chaud. Il nous reste 15 minutes in-game à défendre. Ça peut être très complexe. Là, ça se passe. La milice arrive à tenir. Faut faire monter la garde, là. Ok, c'est bon, il fait monter la garde. Là, je vais tirer là. Avec les tirs d'obusier, on va voir ce que ça va donner. Par contre, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de pourquoi, mais ça me fait ça. Hein. Ah, le canon, ça tire. Oh, oh, pas mal. Non, pas ouf. Il y a beaucoup de chasseurs sur le mur. Ça aurait peut-être le coup de leur envoyer de l'infanterie dans la gueule. Je vais envoyer une Vega. J'y vais. Et là, la cavalerie bof. Faut tirer dans la cave, faut tirer dans la cave. Ah, c'est pas de la cave, c'est, ils ont ramené leur propre canon. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Allez, les canons! Pour la France! Et j'ai les grenadiers qui ont. J'ai la garde impériale qui est sortie aussi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est arrivé. Oh là là, oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Retraite! Retraite! Battez en retraite! Là, il y a moyen de déglinguer une unité. Putain, je vais donner l'attaque, sinon je vais oublier. Ah, tant pis, je n'aurais pas eu les canons, mais au moins j'en aurais tué pas mal. J'en aurais tué pas mal. Allez, recharger les canons, recharger. Recharger, bordel.
Là, il faut emmener le général ici pour donner du moral. Et il y a les gardes qui arrivent en haut de l'escalier. Pour donner du soutien, ça va vraiment faire du bien ça. Oh, les tirs de canon qui touchent. Qui touchent très très bien. Dernier tir au busier encore. Encore un. Ah oui, ça a fait fuir les canons. Let's go. C'est bon. Par contre là, voilà, là je suis vraiment dans... Je suis vraiment dans la merde en termes de l'ennemi qui est bien positionné ici, quoi. Il faudrait vraiment que... Que je me cale contre le mur, quoi, pour éviter qu'ils puissent me tirer dessus. Mais je crois qu'ils vont quand même pouvoir me tirer dessus. Ah, la charge de cavalerie qui a marché ici. Chargés, c'est les chasseurs, ils sont nuls au cac. Non, non, il y a des mousquetaires en haut sur le mur. Attaque sur le flanc là. Il tire sur quoi? Il tire sur quoi les mecs là? De branler? Oh c'est magnifique là. Oh les mecs ils sont en train de redescendre là? Oui ils sont en train de monter. Ah non ils sont en train de monter en fait. Je comprends pas sur quoi mes mecs ils tirent et tout. Je capte rien. Je capte rien de ce qui se passe. Oh putain, oh putain, oh putain. Infanterie, au rapport. Lancez des ordres. Il me faut un carré. Oui monsieur. Lancez des ordres. Lancez des ordres. Mettez-vous à couvert, imbécile. À vos ordres. Pas moyen de tirer au corps à corps. Oh ça va péter. Oh la vache les connards. Et un gars il a explosé jusqu'ici. Oh la vache! Attends, halte au feu! Halte! Nos hommes battent en retraite, monsieur! Oh! Il y a un mec qui ont tiré alors qu'ils étaient au corps à corps, c'est incroyable ça! Allez! De grâce! De grâce, tirez! Oui! Hop là dans la cave. Il y a tout qui tombe. Allez hop. Et voilà, rentrez chez vos mères. Infanterie d'élite. Et bien proche monsieur. Hop. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive Toon? Tu t'endors Toon dans le chat? Hein? C'est ça le truc? C'est la deuxième fois pendant ce live que tu mets un smiley qui s'endort. Tu te fais chier? Tu te fais chier? Tu peux aller dodo, tu sais. Hein. Moi, je m'amuse comme un petit fou. Ils sont combien? Il y a combien? Il y a 4 contre 4 là. Monsieur. On est en 8. On a 8 joueurs. Ah merde, c'est vrai que j'ai laissé ma cave dehors. Oh le nul. Oh le nul. Bon, ça, j'ai merdé ça. Vous tiendrez ce bâtiment, la milice. Allez, on se replace. Très bien.
Halte au feu, halte au feu. Allez, allez, on se retourne, on peut le faire. Allez, sortez vos fusils, vous pouvez tirer. J'y crois. J'y crois. Allez, vous pouvez faire. J'y crois. J'y crois. Oui, j'y crois. Allez, vous avez le fusil. Vous pouvez tirer. Ils ne veulent pas. Tant pis, on y va. Allez, à la charge, je vous donne du moral. Oh, on nous envoie une charge de cave dans la gueule. Visiblement... peu efficace. Comment ils ont réussi à pénétrer la porte? Parce qu'ils ont pris le mur? Oh putain! Oh putain, ils sont en train de rusher le point de capture! Courez! Voilà, dans 2 minutes ils ont gagné. Non, non, enlevez vos généraux là. Je m'en occupe. Oh putain. Bon, allez, fusillez-moi ça. Oh, c'est chiant toutes les alertes à gauche là. À force ça fait beaucoup d'alertes quand on a 8 joueurs. Le carnage dans la brèche. Ouais, de fou. Nombre de cadavres. Voilà, magnifique. Faut les bloquer la brèche. Bloquer la porte. Par contre... oh là là, mon état-major qui est en train de se faire déglinguer. Oh putain, j'avais pas vu. Faut monter sur le mur. Quoique je vais rentrer là-dedans moi. Hop. Hop, on va mettre des gens dans les bâtiments. On va se replier sur le point parce que là on est encerclé. Oh, j'avais pas vu de l'autre côté. Ah ouais chaud. Ah ouais, plus chaud que ce que je pensais. Hop là, je formais un carré d'infanterie devant la porte comme ça, il veut pas rentrer. Il ment pas par ici. On ramène les canons. Là, il y a combien? Il y a 113 contre 130. Ça va, les copains devraient gagner. Oh là là, il nous reste 7 minutes 30 à défendre et on est encerclé. Il est où mon canon? Notre fier allié est tombé, monsieur. Non! On a perdu un général! Oh là 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 là. Là, ils vont rentrer par ici. Ah,
Ça risque d'être un petit peu dérangeant tout ça. Oui, monsieur. Oh bien ça. Bien, bien, bien. Faut aller prendre la position là. Pour flanquer. Je sais pas où mettre mes canons. Je vais me mettre comme ça. Ça sera pas mal. Oh là là, je me fais charger le son flanc. Oh, formez le carré, non. Oh là là, le carré tout petit. Le carré tout petit, s'il y a 2-3 morts, et le carré va péter. Allez. Allez, feu. Riposté. Allez, formez et tirez. Mais putain, mais vous avez pas rechargé. Non, c'est de la merde ici. C'est de la merde, c'est de la merde. Faut rentrer dans ce bâtiment là. Là, avec cette façade là, j'ai un bon angle de tir. Allez. Allez, tous aux fenêtres là. Oh oui! Oh là là, le massacre! Oh, c'est des miliciens, ils font pas des dégâts de fou. Ah si, quand même, quand même. Oh, c'est pas mal du tout quand même. Ça marche plutôt bien. L'ennemi va plutôt arriver de l'autre côté, je crois. Il faudrait un canon de ce côté-là, en fait. C'est ça qu'il faudrait. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. C'est Total War. Mais ouais, mais vous voyez tout ça, le gameplay des bâtiments. Ok, des fois c'est un petit peu buggé et tout. Mais on aimerait que ça s'étende et que ce soit mieux fait, quoi. Vous voyez? Plutôt que juste ce soit retiré du jeu. Des jeux. Oh, c'est compliqué ça. Je reviens au centre. Allez, on revient ici. Allez, allez, en place, en place, en place. On y croit. Oh, je vais faire du TK. Oh, désolé, mais c'est la vieille garde. Pour la France, pour la France. L'une de nos unités est à court de munitions. Oh là là, quel bordel. Ah ouais. Ah oui, il veut aller au corps à corps. Oh là 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 là. La charge des grenadiers. Oui, monsieur. Nos hommes battent en retraite, monsieur. On tire dans le tas. Dans le tas, dans le tas. Mais c'est quoi ça? Oh, c'est l'allié qui tire des obus expérimentaux. J'ai plus de munitions. Y'a plus de mun. Oh, bah alors, ils sont morts les adversaires qui étaient là? On les a déglingués? Je sors la vieille garde de cet endroit. Hop. On est bon. Encerclez-les, chargez. Déglinguez-les. Allez, arrête de laguer le jeu, putain. Merde, 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 mes canons.
Mon officier, replie. Oh là là, il y a un général qui a chargé un carré. Terrible. Absolument terrible. Oh là, il y a plus que mon personnage qui est en vie. Il reste 2 minutes 45, oh c'est chaud. Ouais, normalement, mais je vais les submerger là. C'est terminé, mes canons sont morts. Plus de canons. Allez, en ligne. Oh, faut faire feu. Oh, de grâce, depuis tout à l'heure, ils tirent pas, eux. Allez! Après, ça fait pas longtemps que c'est en place, mais... Les miliciens sur les chasseurs, là. Ah! Alors, peut-être? Fais feu. Oh, tu fais pas feu? L'ennemi approche, monsieur. Là. Non, ils m'ont tiré dans le dos. Oh non, ils ont gagné face à la vieille garde, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de sur ce flanc-là? Il y a pas grand-chose, il y a des chasseurs. Il y a quand même une unité d'infanterie, là. Ah ouais, une unité d'infanterie qui fait chier de fou. Qui fait chier de fou. Bon, faudrait m'expliquer pourquoi le mec il tire pas. Alors là, faut que je laisse les canons tirer. Vous me cassez les couilles, pourquoi vous tirez pas? L'ennemi approche, monsieur! Change de cible. Oh bien! Alors là, bien. Très très bien. Ok, ce flanc, il est clean. Là, on peut tirer comme ça. Là, faut changer de position. Nouveau move fenêtre! On est bon! Feu! Oh, quel banger! Bon, capable de tirer ou pas un jour? On a la flemme. Oh, les canons qui ont fait l'effet. Hein. Canons qui ont fait le job. Quand même, le flanc gauche il est chiant. Hein. Le flanc gauche il est très très chiant. Faut déglinguer cet officier. Allez. Oh les balles qui s'arrêtent dans le vent. Il est où l'officier? Il est où le général? Il est là, il va s'en prendre une. Obligé, il s'en prend une. Oh, il l'a pas pris. Oh non, mon général qui est mort. Oh non, il avait des chasseurs de merde. Oh, on a gagné! On a gagné autant! OMG! Bravo! Bravo les joueurs, vraiment un siège de fou, c'était très très cool. Très serré, très marrant. Bravo! Bravo les attaquants, vous avez bien joué. Je n'ai pas vu les différents endroits se faire attaquer. Un petit peu mou au début, le temps que ça se mette en place, mais franchement, il y a eu des belles phases de gameplay. Très, très cool. GG à tous, attaquants comme défenseurs. Le jeu a du mal à suivre sur le volume de troupes. Sur ce volume de troupes.
Je crois qu'il y a ça, plus le fait qu'il y a certaines configs qui soient pas prêtes pour ça. Je sais pas, à voir. Peut-être, mais aussi peut-être que j'aurais dû mettre en moyen et faire qu'il y ait moins de troupes, effectivement. Peut-être que ça aurait aidé. À retenir pour les prochaines. J'ai eu du mal avec les mal-lags permanents. Oui, moi aussi un peu, mais bon, c'est la vie, quoi, c'est... C'est les problèmes de Total War, on fait comme on peut, quoi. En tout cas, GG, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Encore une fois, bravo. Très très fun à jouer. Les lags n'aident vraiment pas l'attaque aussi. Effectivement, c'est très très vrai. Les lags ralentissent grandement les mouvements des attaquants. Et du coup, ça donne un avantage certain aux défenseurs qui, eux, peuvent, ont vachement plus de temps pour réagir, etc. Dommage, dommage, il manquait 5 minutes. En vrai, ouais, avec un peu plus de temps, je pense que vous gagnez les attaquants. Donc vraiment, c'était serré, c'était cool. Encore une fois, bravo. Merci à vous. YouTube, si ça vous a plu, ces petites batailles de Napoléon Total War, peut-être qu'on en fera d'autres, si vous êtes au rendez-vous. Alors n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et à me dire ce que vous aimeriez voir ensuite. On a fait une bataille terrestre, on a fait une bataille de siège, peut-être qu'on peut repartir du côté des batailles de plaine, peut-être qu'on peut faire une bataille navale. Bataille navale, à mon avis, ce serait un challenge. Si un jour on fait une bataille navale, je quitte la game, merci à tous ceux qui sont venus. Ça serait avec 2-3 bateaux par personne, quoi, pas plus. Mais en vrai, pourquoi pas? Et on pourrait même faire un scénario, genre Waterloo, ou peut-être même tous les scénarios du jeu. Ça pourrait être intéressant. Bref, quel jeu banger, avec ses défauts de l'époque, malheureusement, j'aimerais tellement un remake, ou une nouvelle ou un épisode 2, mais malheureusement, on ne l'aura jamais l'épisode 2, donc un remake, j'en rêve. Voilà. Des bisous, on se retrouve au prochain combat. Ciao.